Bonjour, je m'appelle Martin Hume et je travaille pour Innovation Norway à Paris. Innovation Norway aide donc les entreprises norvégiennes à se développer en Norvège et à l'international. Donc on les finance en Norvège et puis à l'international, on les aide à trouver des partenaires ou des clients potentiels pour leur technologie ou d'autres produits. Donc souvent, on les aide à trouver des partenaires technologiques donc pour développer les produits norvégiens avec les produits, par exemple, français. Donc ce qui est le cas en France. Innovation Norway, nous avons vu qu'il y a un grand intérêt des entreprises norvégiennes pour se développer sur le marché français. C'est vrai que les entreprises norvégiennes ont beaucoup d'expérience sur donc, le socle norvégien, donc vraiment c'est le secteur pétro-maritime. Mais nous pensons que les entreprises ils ont de l'expérience et des compétences qui peuvent être transférées donc, dans d'autres domaines marines, maritimes, donc notamment éolien offshore, mais également dans d'autres domaines comme le tidal, etc. Donc nous sommes vraiment là pour aider les entreprises à trouver des partenaires pour le développement continu des technologies de l'avenir. Quelles sont les spécificités d'Innovation Norway dans le secteur des EMR ? Nous avons un programme où nous aidons les entreprises norvégiennes avec les financements pour développer de nouvelles technologies. Donc on aide les start-up, on aide les PME, surtout les PME, à développer de nouveaux produits. Et on voit que ces entreprises-là, souvent, ils ont un potentiel à l'international. Et souvent, on les met en contact avec des grandes entreprises, des grandes structures internationales pour donc développer de nouvelles technologies. Donc notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que les entreprises norvégiennes se développent en Norvège et à l'international et souvent en coopération avec les grandes entreprises à l'international. Notre stratégie maintenant, c'est de poursuivre nos activités sur le marché français. C'est vrai qu'on travaille également en Allemagne, on travaille en UK, on travaille un peu partout dans le monde. Mais ce que nous trouvons important aujourd'hui, c'est que pour la Norvège, le marché européen reste et restera le marché le plus important dans le monde. Environ 70% de nos exportations vont vers l'Europe. Et donc nous trouvons primordial de rester en contact, entre guillemets, avec les entreprises, donc notamment françaises ou allemandes ou anglaises. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est de garder ou de développer les entreprises norvégiennes et leurs activités en Europe.